Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele, tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komona president ngai Tshisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komona ye yangoyo ngai na kobetale maboko maboko yangoyo ngai na koyembela ye yangoyo tikana ebisa ye na motema na ngai yo umela president ngai. Umela papa Tshisekedi, umela, 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 umela. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue na Etandouike, télé du peuple R de Congo. To bandiété, boza bisikanyo so na Mokili, boza na États-Unis, boza na Belgique, précisément à Bruxelles, boza na Congo Brazzaville, boza na Kinshasa, boza na Matadi, boza Rwanda. Émission na bino oyo esunga rabino ko yeba bongo ba information penza penza eza na kati ya actualité. Alors na bandi ete lelo naza toujours na ndeko na ngai na ye nde to mesana ko sala banalize et pa yiwa pina zo pesa. Bonjour papa amour. Bonjour papa. Bonne santé. Kitoko fort. Santé kitoko fort. Kolongono. Kolongono. Merci beaucoup na bandi ete lelo to ko meka un peu ko brosser maye maloba ki Martin Fayulu. Au moment où Boni a sorti médiatique, il y a Martin Fayulu pour naïe à l'objet que cour constitutionnelle les a illégitimes, puis à bas qui s'y était, à l'objet que crise politique dans un mot actuellement, bateau baza ba auteur naïe un mot à Tangi Bongo, Joseph Kabila Kabange, ancien président, à Tangi Bongo P, le président fils Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moment où Boni, Azan a raison. Bon, naïbité avec Martin Fayulu n'a pas ce respect mingi. Mais ma gamba ça n'a comprendre en côté. N'habité azolo kanini au juste. Je ne sais pas. L'article ni oyo ya taliba lobby cour conditionnel et ça illégitime. Cour conditionnel illégitime mais Félix qui dit auto économie 3 juges à cour conditionnel il y a pas très longtemps awa. Bah c'est là qui investi. Tant chef de l'état a nommé bango pe basi ba mandi musala. C'est vrai ligne ko tia ba tunaye. Bah on a pas le droit de baser légitime. Nous avons entendu sur la légitimité et par rapport il y a procédure. Par rapport à une procédure. Est-ce que vous croyez que chef de l'État n'est pas en train de bah tout haut et bah ça la droit permet naï. Il y a ça la bangote. Bah le baratim boka. Les gambas sont bangote. Les gambas est-ce que ceux qui tous ça batomaille 10 n'importe qui au côté à chef de l'État Félix Tshisekedi. Et si les habitants sont 10 n'est trop bien bissaye, t'es trop bien bissamboka. Non, ils ont bon côté. Chef d'État n'est pas un azar batomayeli, azar batoubatanga na poto, basala bat droit, toutes sortes, toute forme, il y a droit. Baroki jamais qu'on induit chef de l'État en erreur, jamais. C'est au Tali, le professeur Eberhard, ou Azalaga, Dirk Kabanaye. Il était côté chef de l'État. Azar professeur, il y a droit. Ah, il y a Moussala Naye. Ce que il y avait qui t'engue Yesu, Azalaga wana. Il y a des professeurs Mbata, Azalaga wana. Basala bango ebele na batunyo so a nomana ma barabara na ba cour différente c'est mboka na biso basala to basala ba droit ba bi musala makasi est-ce que batona ba ko kwende chef de l'état en erreur il n'est pas dit que chef de l'état ça la droit ça la droité mais ya sala makamu susu me batu o chef de l'état sala bango musala baza ebele pe baza batu baza focaliser na ba différents domaines mais ceux qui chef de l'état moi ni va renommer ba juge ya cour constitutionnelle wana c'est conformément au texte de la République. Il n'y a pas eu violation. Autrefois, tout le temps, il y a eu un article. Il y a un chef de l'État qui n'a pas procédé dans le monde normal. Donc, je pense qu'il est là tout de suite. Mais l'article. Pour l'un d'un associé à mon ami Kamate Fayulu, tant que la crise, tout le monde est battu. Parce que solo, tout le monde est battu. Mais alors, Fayulu, il y a un peu de temps pour le Basile. Mais Michel Songolo, il y a un peu de Basile. Fayulu, il y a une position. La opposition parce que kalaté ba renommé il faut ba nommer chef de file et opposition si ko comme ko banga tanga moniki no Kabila a comme kota opposition ba toi PPRD ning Kabila tu ba kota opposition mais la minute bemba na Fayulu baza suna nani bemba na Katumbi baza suna yete
Alors, comme déjà, on a regardé le grand baouba et l'opposition, on a regardé l'opposition républicaine. Maintenant, on a dit que nous avons perdu, on a regardé l'opposition. Maintenant, quand on a dans l'Assemblée nationale, il faut nommer chef de file et l'opposition. Parce que chef de l'État, il y a un salaire qui va valoriser l'opposition. Parce qu'il y a un copé à l'opposition. Alors, nous avons l'opposition et nous avons un mot à dire. Vous comprenez, nous avons un mot à dire. D'où il faut bah Lukaku nommé chef de file et opposition, tout porte-parole et opposition la carte en bord en amiso. C'est pourquoi mon Martin Fayoulou a sauté les malicolos, a sauté Lukaku a sauté les premiers pour que Batignon soit là-bas à la étouffer pour y azala mutu azala numéro 1 du côté opposition afin que azala nommé. Yo porte-parole opposition. Yo au moins une crise ou habi. Habité. Qui doit faire la crise institutionnelle. Au dernier qui maintenant ni n'azuka ba maloba ya ndeko basilo longo. Alobi est-ce que Mbokanini, Oyo, ils ont la crise, mais tout le bureau définitif de l'Assemblée nationale et salam. Tu es invité à Bangopé. Au moment où on a eu la crise, ils ont eu la crise. Tu as eu la crise, ils ont eu la crise. Ils ont eu le Premier ministre Yonkamba. Il a eu la crise. Bien. Mais c'est la crise, ils ont eu la crise. Est-ce que je suis non. Le bac de Martin Fayoulou, que je respecte beaucoup, a eu la poste. Toi, Zoulouka Akuma, chef de file, il y a opposition. C'est ça son grand problème. Parce que vous savez, il y a un moment là, il avait proposé les gars sortir des crises, ainsi de suite. Mais la proposition, il y a un moment qui comme chef numéro 1. La structure, il fallait créer ou pour proposer ma sortie de crise parce qu'il y avait des propositions Martin Fayoulou proposa qui mais quand la structure wana Yemoura Michaki chef mais vous voyez déjà que non c'est quelqu'un qui cherche un poste c'est quelqu'un qui cherche une position voilà mais tout le bébé attaque pour ça pénalité mais tout le bébé la marmouille élection parce que tout l'an dit dans la sortie médiatique et moi dans Boka Martin Fayoulou opposition est beau et beau à 100% glissement en 2023. Mais je pense que tout le monde dit que la commission électorale, dans le biais, était que l'élection en 2023 est comme hypothétique. Et puis, il y a un retard déjà il y a 6 mois. Moi, je dirais que c'est trop simple et facile à comprendre d'ailleurs. Parce que Kalaté, il nous reste que 2 ans pour tout qu'il y ait l'élection. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a déjà pas de préparer pour l'élection et ça, en 2023. Ce qui vient, Martin Fayoulou, il y a un bout d'élection et subir glissement en 2023. Mais, Ezamabe, tout a cité sur l'élection chaotique qui a 2018. FCC s'est créé une majorité parce que l'élection en 2018 était chaotique. Ce que l'on dit bien, Sphinx Etienne Tshisekedi. Alors, bah, nini. Namboga na biso, moutou, tout batou a commencé l'élection malamou, namboga na biso, Eza, UDPS. Mais c'est total malin, mon chef de l'État, la procédure où est-ce que Ninango, et ça pour nous organiser de bonnes élections en Bokanabiso. Or, pour nous organiser de bonnes élections en Bokanabiso, il y a des préalables, comme Ningi Batoubassala droit, tout Batoubatouya Onip, tout Batouya Ninia Seni, donc il y a des préalables où il faut s'engager pour remplir pour que tout n'y ait pas élection. Tant que les préalables sont accomplis et que vous avez impossible, tout qui est dans l'élection, il y a malam en 2023. Au moins, tout le dimanche, il y a une élection chaotique. Quand il y a des élections en 2023 comme ça, tricherie, ça là, et ainsi de suite. Ce qui Martin Fayoulou a ligné Bongo, tout le dimanche, il y a une élection en 2023. C'est ça là. C'est ça comme ça représente la République un peu dictateur. Et ça, bon côté. Dans le monde, on a été que. Parce que, comment ils ont mis sur le terrain pour organiser l'élection en 2023. Parce que, tu sais que tu as récemment, on a dit que c'est un financement, justement, il y a 350 millions de dollars. Mais ceux qui basent en la minute Oyo, c'est comme le 31 décembre 2021, bah vous avez déjà un officier général de la population, puis bah au travers ces énergies là signé et vous permettre que tu en 2023 mais que ça les mêmes boni boni tissico Oyo financement qui a 350 millions on y passe au rejoint. Je me pose la question, la ministère de la finance, tous à l'année quand comme il passe un ministre du gouvernement il l'ont c'est déjà quoi mais bah ça vous met d'abord bah affaire courante, bon il bisanga bana onip à Singambongoana. Non, mais ça vient d'un ministère de finances. C'est un ministre issu du FCC. Mais ça trop tardé. Toqué na banque. Mouto ça vient na banque. Deo gracias. Ça vient d'un FCC.
surtout que na ministère mususu. Donc c'est pour comprendre que non batu banda ko bloquer mbongo et bima kani batu banjo ba bazolo ba FCC azali na ministère clé pour le bimisa mbongo. Mais ceux qui onip asenga ki 350 millions pour na kosala musala na bango ya identification à population. Est-ce que makambwana babanda ngo lelo? Babanda ngo lelo te. Sotali tango ba nommé DG il y a ONU puis ça je pense au mois de février il y a 2020 mais tisikoyo DG Ilunga alobaka bien que non ceux qui va pesinga 350 millions de dollars na kosala musala na ngai je vais identifier la population peut te couper ça ba te couper ça peuple congolais ba carte fiable parce que chef de l'état lelo il t'est mordicus à livrer des cartes fiables au peuple congolais mais comment ça te que non tu as plus de 80 millions de congolais à namboka na biso sans compter d'abord ba oya libanda. Or, on y puis face à la musala na yang, musala na naie, comme il se doit. C'est-à-dire que même dans des zones rouges, toi bas zone oyo, ils ont insécurité. On y il faut encore ta pour qu'il identifie nani asa congolais, ton nani asa congolais. Alors, ceux qui te remplissent d'abord critère wana, dès ben l'élection vous allez malam. Sauf que t'es négro lobby, c'est ni à lobby non, ben fin 2023 comme un pays hypothétique. C'est tout à fait normal. Parce que ma monique bango moko d'abord c'est ni, il fallait bas zoa mongo, je pense 400 millions de dollars. Pour qu'il passe à un nettoyage affiché électoral. Or, vous voyez très bien, la CENI et l'ONIP travaillent en synergie avec les ministères de l'Intérieur, mais aucun signe positif. Ou est-ce que non, élection 2023, et vous allez organiser. Ceux qui ont dit que l'élection, ils sont sur ma bima casse. Mais est-ce que vous avez une volonté à pouvoir? Exactement, qui a volonté à pouvoir, nous devons. Parce que, côté Otozo Kakéonon, côté Bazui Montaboye, côté Bacontraille à Otan, côté Mbouboye. Mais tout ce monde a jusque là aucun mouvement quand on est au Tchikoloba. Et puis dans ce même ordre d'idées, pourquoi est-ce que président de la République a joué une priorité au début en mandature naïe aloba après certains dénissa dans le ministère des finances à sa colère toi mis en solo pour l'organisation d'élections. Ce qui chef de l'État a attaqué en gros la priorité dans la province c'est faux et archi faux. Ce qui a attaqué en gros la priorité pourquoi on a manqué déjà en IP. Parce qu'il y a des gens qui ont pour faire de bonnes élections, il faut ONIP à Salamoussalanaï. Pourquoi à Nomaki déjà et ONIP? C'était bien prévu depuis longtemps. Que non, élection 2023, il faut Salama. Mais avant et Salama, il faut un préalable. Il faut une condition remplie pour que tout qu'il y ait élection. C'est pourquoi chef de l'État à Nomaka DG et ONIP. Tout le monde a dit que c'était une réforme. Tout le monde a dit que Moutou a proposé à Bisou à Rossar Malunda. Rossar Malunda, Azana Moutou a PPRD. Azana Moutou a FCC. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps avec l'ex-président Seni Corneille Nanga. Binomou Bomonaki, organisation, tout organisation, élection en 2018, Nenge Salamaka. Na présidence, sous la présidence, il y a Corneille Nanga. Alors, le Kola, peuple congolais, a beau qui tout subi, tout souba. Et là, ni Babylo, ni on a tout bouzoba, oyo, batouba sala qui n'a seni pour qui ba me kakoupe sa FCC, majorité mogoboye, fondé tout monté de toutes pièces. Yo, mon chef de l'État, na peuple congolais et longo, babo et akabalobino, bisotoboye, Ronsard Malonda. Mais il y avait des gens qui ont proposé batoulogo la bakadima. Bakadima, on a basana na ba États-Unis, basana ba expérience, bakamba seni. Ce sont des gens, au basa incarné confiance moko boye so ki otie wana o moni ki osala musala malamu peuple pour nini a ce pays. Mais pour l'élection 2023 surtout tali ndenge ndego bazili pa lobaka na emission moko boye sala na ndego bazili aloba nini parce que ndego bazili a pesa ka ba point ebele en tant que ministre honoraire ya intérieur et sécurité. Vous comprenez parce que ministère ya intérieur et sécurité ils a peine impact monene côté ba élection aloba ka pour toki de ba élection ya malamu ba bonnes élections en général. Donc, et Sengili, identification de la population, et Salama, et Sengili, qu'on forme ma policier, parce que 18 000 policiers par an, et c'est constitutionnel. Ce que je dis, c'est que nous avons élection, et Salama, malamo. Mais ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit, c'est que nous glissement, tamoko, et Salama 2023. Et ça, impossible. Parce que le ministre, d'abord, chef de l'État, c'est que d'abord, que c'est peuple congolais, alia bien, attend bien, ainsi de suite. Mais nous, vous dites encore ma élection. Mais c'est Moïse Katumbi, d'abord ma élection. D'abord, tout à l'heure, peuple congolais, social, ils ont dit, ma élection, ce n'est pas encore le moment. Ce qui est, à ce moment-là, ma élection, dans la minute. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Petit à petit, nous sommes déjà en train de chuter. Et puis, monsieur Amour, tu as analyste politique et libre penseur.
mikolo miliki to kwa ke ba étudiant ba lela ki penza mingi ba bété pourquoi est-ce que ba bar est toujours polélé ba igeza polélé et biso ba étudiant to zotanga te boy boy mais lobby to landa ki information moko authentique que comité multisectoriel basé qu'en réunion na président de la République et puis na kobima na audience ba lobby te que non courbe il y a maladie ils a déjà descendante. Et puis, le BIT va confirmer que le 22, il y a février, le 22, il y aura rentrée académique. Et puis, il y aura des classes. Mais ni n'y a pas de étudiants, on a des mesures préventives pour que tout le monde soit dans la même situation. Notre caméra, pour vous comprendre bien, la salle de l'émission est belle, nous avons dit que concernant le coronavirus, tout concernant la non-reprise, il y a des cours. Tout ça, Michel, on a trouvé la bino, étudiant. Parce que maintenant, le banon, député, parce que tu as l'Assemblée nationale, les bazar ébélé, la marché, tu as kende, la barbe, tu as côté ainsi de suite. Mais pour nous, nous sommes étudiants, nous sommes étudiants, nous sommes tanga, mais tout en respectant les mesures barrières. Le chef de l'État a eu tout la bino. C'est grâce à Michel, au tout ça, là, nous sommes non, makamwana. Bayo ka kolela ya peuple congolais to kolela ya ba élève to ya ba étudiant parce que ba mandolo ba non bozo massacré éducation ya ba na bise ainsi de suite. Le chef de l'État ba trouver que non esengeli le 22 février ba to bazongi la classe. C'est par rapport ya ningi ba to koloba awa maladie to contamination et kitima moki par rapport à ningi zalaki. Alors le koloba contamination kitima moki par rapport à ningi zalaki esengeli siko ningi to zongi la ba classe. Biso ba étudiant to bino ba étudiant ba élève ningi bozo zongi la ba classe na ko senga na bino bo respecter ba mesure barrière la takachine na yo zo désinfectant na yo to sokola ka maboko de temps en temps pour que o contaminer moninga te soki ozana malade parce que maladie wana emona na kati. Alors esengeli biso nyoso to meka ko respecter ba condition au chef de l'État apesi biso pour que to tanga ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup au chef de l'État pour na ko kanisela ba étudiant d'une manière favorable. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Amou. Merci pour avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, ma caméraman Nabiso, qui est toujours présent. Mbalandaï Joseph. Merci, ma papa, Kalala Mbalandaï, qui est parti au Royaume, il y a Belgique. Merci, Nabino Mbalandaï, il y a Télé du peuple RD Congo, qui est parti dans le monde de Tobek de Bandeli. Et tu sais que vous avez toujours scotché, vous avez toujours switché dans l'émission de la Bisso. Et vous activez la cloche, il y a une notification pour que vous ratez à temps mon quête, mon père d'émission de la Bisso. Et tu sais que vous allez très prochainement avec un nouveau numéro. Merci.